Salut les amis, me voilà pour une nouvelle sortie de détection. Voilà, donc je sais plus à combien tième. Voilà, enfin, un petit tour. Voilà, moi je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas le bras. Sinon, je vais vous faire par l'autre côté. Voilà, donc dans un trou, premier trou. Allez, moi avec la merde, bien sûr. Pas si je ferai la mise au point. VRA 9 mm, pleine. Bon, question pour ceux qui vont regarder. Pour ceux déjà qui vont suivre, ils vont remarquer que toutes les VRA que j'ai montrées dans ma vidéo précédente, à peu près, c'était toutes vides. Donc, ça c'est la première pleine VRA. Mais après, j'ai d'autres pistolets que j'ai aussi qui sont pleines. 9 mm selon comment on l'entend. Je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour enlever l'ogive sans tout casser, parce que chaque fois que je fais quelque chose là-dessus, ça a cassé. Bon, après dans le même trou je fais et je trouve, voilà, je sens un couvercle de merde, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, hop, à la prochaine trouvaille. Voilà les amis, deuxième trouvaille. Alors que je me déplace un peu dans ce trou. Je crois que je l'habite, c'est moins grave. J'ai fait, voilà. Pour ceux qui vont voir, j'ai fait la mise au point. Entre là, vous voyez un peu mieux. Ah, c'est une Moser. On est top. Voilà, à la prochaine trouille. Bon, voilà les amis. Ça c'est ma troisième trouvaille à peu près, je crois, un truc comme ça. Attendez, je suis en train de manger. Non, voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, sur tout ça, c'est un couvercle. Il y a le rond. Ça là, c'est la boîte de conserve. Ça c'est des clous. Ça c'est, ça part. Quelque chose qui me plaisait bien, qui m'a cassé, mais c'est pas grave. Ça me part vers un clip. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6 françaises, 6 douilles françaises, une française pleine, une ogive de libelle. Donc l'ogive de label, voilà, je sais pas. Ouais, pour noir, il faut pas la mise au point, il me prend un boule. De toute façon, on n'aura plus grand chose dessus, sauf qu'il y a un. Là, si j'arrive à vous le voir. Il est très rose. Je sais encore qu'on voit. Et après, voilà. Les douilles, donc. Et puis la plaine. Du SF et du LM. Donc SF, je sais plus, je vous marquerai en commentaire ce que c'est. Et puis LM aussi, et puis voilà. J'aimerais bien, je vais essayer de garder le bordereau, et puis voilà. Bon, à la prochaine trouvaille. Salut les amis, nous voilà pour une autre trouvaille. Oui, je sais. Donc, déjà c'est deux couvercles là-dedans. Et après, ouais, j'ai ma bandoulière qui tourne. Pour voir. C'est assez grand maintenant ce sens. Voilà. Bon, derrière il est marqué. Je sais pas si je vous verrai tout. UT42. Bon. Donc moi je me suis pas tellement intéressé à ce calibre parce que je l'ai jamais trouvé en fait. Voilà, les cartouches, les autres, je les ai trouvés tout au début. Alors ça, je viens sûrement de trouver, donc je vais aller voir. Si je trouve, je mets en commentaire. Je devrais sûrement trouver ce que c'est. Allez, à la prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle trouvaille. Donc dans ce trou, je trouve sur mon jean parce que. En fait, c'est un bouton, selon moi. Et pour moi, il manque
crois si j'arrive à trouver la caméra. Voilà. Là où il y a le trait au milieu, je pense qu'il manque la tâche. Donc l'image en face. Oh là là, je pense que trouver sur le clic. Voilà. Une petite couronne. Mon petit. Je fais quasiment la taille du bouton. Je verrai un peu mieux au nettoyage. Allez, la prochaine trouille. Ouais, les amis. Petite pause repas. Donc voilà. Alors. Donc là, il y a. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Là, il y a un petit banc de sable. De l'autre côté, il y a de l'eau. Donc, attendez que je descende un peu. Dans toute cette partie, c'est de l'eau. Et donc. Dans l'eau. Voilà. Une gamelle. Avec marqué. wall.w.a.l38. Voilà. Bon, j'ai plus qu'une poignée, mais ça c'est moins grave. Ça me fait ma deuxième gamelle. Je crois que la première, je vous ai pas montré. Vous voyez les impacts des cailloux en dessous. Tiens, on voit un peu mieux. Voilà. Tous les cailloux, tout ça qui ont attaqué. Grignoté un peu de partout. Voilà. Bon, allez, je ma pause repas. Et après, je continue. À la prochaine toile.